Plop à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert Online pour une petite vidéo de grind. On va voir ensemble combien on peut se faire de tokens sur le spot d'Heroine d'Istria. Et bah écoutez, sans plus attendre, nous allions aller. Je vais farmer avec ma gardienne comme d'habitude, c'est parti. Donc nous sommes partis pour notre farm à Istria. Donc j'ai refresh le petit buff de repas de cron, hein. Donc le repas de cron, je prends celui-là avec les 25 PA contre les monstres, tout simplement, histoire de vraiment taper un petit peu fort. Donc je vais vous montrer pour faire les parchemins. Donc c'est L, chauffage, attention, pas chimie simple. Si vous faites l'alchimie simple, ça va vous donner pas les bons, ça va pas vous donner les bons, ça va vous donner les verts. Donc nous on veut que les gold, carrément. Vous allez voir, ça va se crafter là, voilà, gold, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment l'objectif. Si vous faites l'alchimie, vous allez vous récupérer cela. Les verres comme ça, qui sont pas intéressants. Ils durent 30 minutes au lieu de durer une heure. Voilà, vous séparez en fait votre parchemin. Ce qui est pas dérangeant à soi, mais ça peut être un petit peu embêtant. Donc on vérifie quand même. Je vais vérifier les pets, tous les nourrir avant de partir. Paf, voilà, ça c'est fait. Comme ça, on est fait. On va mettre un petit breuvage de la bête, histoire de maximiser un petit peu tout ça. Le parchemin, je ne l'ai pas claqué, ça tombe bien. On le claque maintenant. On active la pierre d'alchimie. Hop. On va peut-être mettre un petit parchemin de compétences. On va voir. Ouais, non, c'est bon. Ça ira. Eh ben, écoutez, on est parti. Je me suis trouvé une petite salle. Donc, on va voir comment ça se passe exactement. On bloque. Et on tape. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à me faire les retours après, hein, quand je vous aurai fini, quand j'aurai fait le montage, tout ça, selon le nombre de tokens que j'aurai fait, aucune idée de si c'est rentable ou pas. Hein. On faudra me dire vous-même s'il y a des spécialistes parmi vous, si cela est rentable ou pas. Hein. On va faire comme d'habitude quelques rotations. Je couperai l'enregistrement. Après les quelques rotations, donc notez bien mon XP pour ceux qui veulent analyser la vidéo jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail. Voilà. Je vais vous mettre bien sûr les tokens hein, avant qu'on se quitte. Bien sûr, comme d'habitude. Bon. Ouais, je suis pas très chaud là. Mais ça va chauffer, vous inquiétez pas. On va chauffer. Voilà, bon, allez, je vous mets les tokens, je dois en avoir quelques-uns maintenant, j'en ai 62, nombre d'objets. Voilà, comme ça, ils sont là. Moi, pour information, vu qu'il y a ma tête juste derrière, on en gagne entre 2 et 8 par mob. Ce qui est plutôt intéressant, hein. On va pas se le cacher, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. Écoutez, je fais un tour de la salle. Comme ça vous permettra de voir un petit peu la salle. Malheureusement, je n'ai pas de guide sur les rotations sur ce genre de spot, hein, parce que franchement, ça au petit bonheur la chance quand vous allez arriver, s'il y a du monde ou pas. Hein. Là, d'habitude, la salle où je vais avec ma chaille, il y avait quelqu'un, il y avait un guerrier, donc j'ai pas voulu l'embêter, hein, il était là avant moi, donc on le laisse, on est sympa, on est correct, on est courtois. Donc on s'est trouvé une autre petite salle, on verra bien si ça passe, si je suis assez... il y a assez de mobs pour ma rota complète. Normalement, oui. Hein. Je suis pas le plus rapide dans cette zone. Je vous ai pas montré le stuff. Hein. Je vous montre ça juste là, après ce pack. Parce que c'est vrai que c'est important. Hein. Donc ici, j'y suis allé à la Koutoum. Voilà. J'ai pas pris la Nouveur. Voilà. 254, 313. J'ai mis la Koutoum. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça serait mieux la Nouveur? J'en sais rien, on verra ça et éventuellement plus tard. Pour l'instant, je trouve que des fois, je prends un petit peu de tarif. Donc, j'ai préféré garder la Koutoum. Bon, ça va, là, c'est des petits mobs quand même. L'autre salle où j'étais, là, que je farm avec la chaille, d'habitude, c'est... Il y a un peu plus de gros Layton ou de Tugar machin, là, les gros, là, comme ça, là. Et donc, c'est vrai que ça picote un petit peu. Alors, c'est vrai que je vois dans certaines vidéos les gens qui bloquent dans un coin
pour bien les paquer. On va essayer, hein. Je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste. Ah, ça va venir, la pratique, comme on dit. Hop, hop. Est-ce qu'on peut se mettre tout? On peut ramener tout ça ici. Les deux paquets. Est-ce que je peux ramener les deux paquets ici? Ouais, ça a l'air de venir. Allez, on tape. Bon, il y a que deux Zelten dans cette salle. C'est pas ouf, hein. Je vais vous avouer que c'est pas ouf. Il y a mieux comme salle. Mais pour moi, la rota est plutôt pas mal. Vous avez vu, hein. J'ai fait le tour. Ça repop ici. Donc, on est bon. Allez. Je vous fais encore un petit dernier pack pour le plaisir. On bloque. On attend que ça se pacounette. Voilà, ça tape. Regardez ça, comment ça tape. Ah, ils rigolent pas ici. Hein. Moi, je vous le dis, ils rigolent pas. Ils sont là pour casser des noix. Je vais continuer mon petit farm pendant la fin de l'heure. Et on se retrouve juste un petit peu avant la fin du parchemin, comme d'habitude. Pour que vous puissiez voir le nombre de tokens que ça va faire réellement. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Hein, à tout de suite, dans quelques secondes pour vous. Moi, ça sera dans 50 et quelques minutes. Mais bon, voilà. Et bah c'est parti. Voilà, nous nous retrouvons en fin de vidéo. Puisque vous pouvez voir qu'à l'écran, il me reste 3 minutes exactes sur le parchemin de récupération d'objets. Donc on va le finir ensemble. Donc vous pouvez voir aussi à côté de la minimap le nombre de tokens, de trash loot, ce que vous voulez, hein, comment vous voulez l'appeler. Moi j'appelle ça des tokens, mais il y en a certains qui appellent ça des trash loot. Donc on va les appeler des tokens, tout simplement. Voilà, c'est moi qui décide. Voilà, c'est des tokens. Donc presque 3000. Aucune idée de si c'est énorme ou pas. J'ai pas l'impression que ça soit ouf. Mais bon. On sait jamais. Allez, on finit ce petit pare-chaud. Tranquillement, ensemble. Comme ça, on discute. On a looté quelques trucs sympathiques. Hein, quelques cristaux. Je vais vous montrer ça, bien sûr, après. Nous avons pas mal de petits parchemins de récupération en langue ancienne. Hein. Vraiment pas mal du tout. Donc, on va vraiment détailler tout ça après, à la fin de ce farm, tout simplement, parce qu'on profite jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte de notre parchemin de récupération d'objets. C'est important. Très important. Voilà. En fait, je disais 3 minutes, c'est peut-être 4 minutes qui restaient. Hein. La vidéo sera un peu plus longue. C'est pas gênant. Tout, ça serait pas de mourir quand même. Hein. Ça serait plutôt ballot hein, quand même. Bah, encore un petit pare-chaud là, ça fait du bien ça. Ça, c'est bon ça. C'est ça qu'on veut. Nous, on veut du loot. Donnez-moi. Hein. Donnez à moi avoir besoin de loot beaucoup.
Par contre, aucun objet par rapport à une tungrade ou un collier ou une boucle d'oreille, que dalle hein, pour le moment. Donc peut-être avec vous là, maintenant, on va peut-être looter quelque chose dans les 2 minutes qui restent à faire. À voir. Bon, j'ai rien eu avant, je pense pas que ça vienne maintenant. Hein. Hop, on a gros ça. Et venez ici les poteaux, là. Moi, je vous défonce. Là. On se pack dans le coin. On encaisse tous les dégâts. On encaisse. Il picote un petit peu quand même. Hein. Allez, il y a eu 60 secondes de bonheur. On peut faire encore un pack ou deux, peut-être. On va voir comment ça se passe. Allez, dépêchez-vous, les mobs. Venez ici. Tiens, un petit coup d'esprit occulte. D'énergie occulte, de rage occulte. Et on tape. Paf. Ouais, on les défonce. Regardez ça. Ça tombe tout seul comme des mouches. Des petits insectes sans la parise, là, on les éclate. Bah écoutez, 3160, il reste 25 secondes, on va faire ce petit pack. Allez, celui-là, je le fais, c'est pour vous, c'est du bonus, c'est du cadeau. On rigole pas. On va mettre le petit bonus de l'arme éveillée, le petit buff éveillé. Comme ça, on est bien. Oh là là, hop là, regardez ça, ça tombe tout seul. C'est bien packé. Un petit pare-chaud pour la fin de la route. Ah, c'est magnifique. Allez, toi, je te tue, là. Et on se casse. Et ben voilà, c'est fini. Ce farm fut intense. 3199, histoire de dire qu'on n'en fasse pas 3002. Hein. Voilà, donc on va voir un petit peu les loots. Les loots. Alors, on va essayer de les remettre un petit peu rangés correctement. Tac, je vous mets ça. Les cristaux, on va les mettre là. On va mettre les pare-chaux ici. Bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal. Je vérifie que j'ai rien oublié. Hein. Bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal. Alors, on a fait 2, 4, 6, 8. 8 parchemins. C'est plutôt sympa. Et nous avons fait 3 cristaux. Alors, un assaut, un bravoure et à nouveau un assaut. Donc ça fait quand même du 4 490 000, 4 300 000. 1,6 million les pare-chauds, c'est plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt sympathique. Les tokens, on en a fait 3199 pour une valeur de 15 000. C'est plutôt pas mal. Hein. Après un petit calcul rapide comme ça, de tête. Hein. Donc nous avons 8 parchemins, 1,6 million, plus 3 petits cristaux à 4 millions, plus 3199 tokens. Nous sommes à un peu plus de 74 millions à l'heure. Plutôt pas mal, hein. Écoutez, c'est plutôt sympathique, voilà, on va pas se le cacher, c'est plutôt pas mal du tout, il y a des pierres noires d'armes et d'armures aussi, hein, que j'ai pas encore compté, mais bon, nous sommes, on va dire à 75 millions de l'heure, c'est plutôt pas mal du tout, hein. On va arrondir ça à 75 millions de l'heure, c'est vraiment plutôt sympathique, bah écoutez, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne et à moi-même. C'est un énorme soutien gratuit, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, bye bye à tous.